Oui, bonjour, bienvenue à un autre Quickie, l'épisode 8, si je ne me trompe pas. Une autre figurine, voilà. Donc, on s'éloigne un peu plus de Dragon Ball. J'en ai plusieurs, donc on va sûrement revenir à cet univers-là. Comme cet univers-ci aussi, de DC. Donc, pour ceux qui me connaissent, je suis un grand fan de DC, plus que de Marvel. Donc, vu que c'est un quickie, nous allons commencer tout de suite avec une figurine Kotobukiya Artifex Plus. Forever Evil, nous parlons de Bizarro. Donc, pour ceux qui connaissent Bizarro, c'est une pâle copie, en fait, un clone manqué de Superman. Je ne sais plus trop comment, je pense que c'est Lex Luthor qui le crée. Comment, pour porter Superman en dérision. Et ça devient l'un de ses ennemis les plus iconiques en fait. Vous voyez, celle-là je ne l'avais jamais ouvert. Ah, vous voyez, le logo a changé. Ce n'est pas présenté par Cellulorama, mais plutôt par le Boulevard des Jouets. Une boutique de jouets de collection à Montréal, sur la rue Descaries, près du métro Snowden, pour ceux que ça intéresserait. Voilà. Je pense que c'est la première figurine que je vous montre que c'est un homme. D'habitude, c'est des femmes dans des positions un peu... mais là, non, c'est un homme. Voilà, ça c'est la base, ça c'est le personnage, et voilà. Première chose qu'on remarque, c'est les pantalons sont métalliques, mais pas le reste du corps. Il a une belle cape rouge, un peu comme Superman. Le logo, un peu inversé, de celui de Superman. Et on dirait qu'il est comme un zombie, en fait. Une peau plutôt grisâtre. Donc, voilà. C'est Bizarro sur sa plaquette. Deuxième chose qu'on remarquera, c'est que la base est aimantée, ou peut-être ses bottes. Donc, très très bien, c'est la première fois que je vois ça. Voilà ma figurine de Bizarro. Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez le personnage? Si vous pouvez me rafraîchir la mémoire et me dire ses origines, en fait, ça serait apprécié dans les commentaires. Et est-ce que vous avez des figurines Kotobukiya Artifex Plus ou Artifex tout simplement? Dites-moi là dans les commentaires, ça m'intéresse. Et comme d'habitude, ben, merci d'avoir regardé ce quickie. Je vous dis à la prochaine. Ciao!